بيل الطيران المدني، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، إلى مسرح الأمم. Good afternoon, honored guests. Please stand and welcome His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and Commander-in-Chief of Security and Armed Forces, and His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, President, Dubai Civil Aviation Authority, Chairman and Chief Executive of Emirates Airlines and Group, and Chairman of the Expo 2020 Dubai Higher Committee to the Stage of Nations. It's my esteemed honor to introduce and welcome His Excellency Najib Al Ali, Executive Director of the Office of the Commissioner General of Expo 2020 Dubai, for his opening remarks. Your Excellency, President, Evariste Ndayishimiye, First Lady Angelique Ndayishimiye, Excellencies, ladies and gentlemen, it's an honor to be with you this afternoon to celebrate the National Day of the Republic of Burundi. I extend a warm welcome to you all. Burundi has been a regular participant in international exhibitions since the first participation in a specialized expo of the city of Daejeon in 1993. And we are pleased to witness the strong and dedicated presence of Burundi at Expo 2020 Dubai. As we host our expo in the year of our nation's golden jubilee, we are thrilled to be welcoming the world to the UAE. We firmly believe that the Expo 2020 is a chance for our friends and partners from around the world to come together
in celebration of how far humanity has come, particularly as we recover from the after effects of the COVID-19 pandemic. Our theme, Connecting Minds, Creating the Future, is even more relevant today. It allows us to chart a positive way forward towards achieving a brighter future for one and for all. Under the theme, Philosophy of Giving and Receiving, Burundi highlights the work that is needed and the exchanges required on a regional and international level towards achieving sustainable development. The design of the exhibition showcases Burundi's unique ecotourism and culture wonders to our visitors and welcomes them with a daily tasting of one of the world's best coffees, as recognized by the United Nations Alliance for Coffee Excellence. I can see many of you have actually tried the coffee. Visitors from Burundi's pavilion will get the experience some of Burundi's greatest marvels, unique traditions, and its welcoming and hardworking people. And for that, we would like to express our appreciation to you, President Nashimwe, and to Commissioner General of Burundi, Patrick Nkurunziza, and his team for the tremendous efforts and unique participation in this expo. As a host of the World Expo taking place for the very first time in the Middle East, Africa, and South Asia region, we are adamant about ensuring that Expo 2020 is a fruitful mega event, not only for the UAE, but also for the continental, regional, and global partners. We firmly believe that East Africa, the fastest growing economic district of the African continent, offers tremendous opportunities for business communities in the UAE and the region. And as our relationship with Burundi continues to blossom and expand across various sectors, we hope to build on existing partnerships between our two countries. Through Burundi's successful participation at Expo 2020, we look forward to engaging together to create greater opportunities for the mutual benefit of our nations, regions, and the people across various fields of common interest. I welcome you again, Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, to this momentous global event, one that is a facilitator of profound discourse between our countries and the international community, to this unique platform for our collective contribution towards the waking of a better and new world. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Now, please join me in welcoming this afternoon's honoree from the Republic of Burundi, President Evariste Ndayishimiye, for his remarks. Loué soit Dieu le Tout-Puissant, lui qui a permis et facilité notre déplacement pour participer à ces cérémonies de la Journée nationale du Burundi durant cette période de l'exposition universelle de Dubaï. Excellence, Monsieur le Premier ministre et Vice-président des Émirats Arabes Unis, Monsieur le Commissaire général de l'exposition universelle de Dubaï, Expo 2020 Dubaï, Monsieur le représentant du Bureau international des exposants, Monsieur
honorable président du Sénat du Burundi, Excellences, Messieurs, Mesdames, Messieurs les ministres, membres de ma délégation, Monsieur le Conseil général du Burundi à Dubaï, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs de mission accrédités à Dubaï, Mesdames, Messieurs les commissaires généraux de section, Mesdames, Messieurs les membres de ma délégation, distingués invités en voix à titre et grade, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, chers compatriotes burundais, Assalamu alaikum. À l'entame de mes propos, permettez-moi, au nom du gouvernement du Burundi et en mon nom propre, d'exprimer ma gratitude auprès du gouvernement des Émirats arabes unis pour toute l'attention particulière et l'hospitalité légendaire que notre délégation a toujours bénéficié depuis notre arrivée dans cette belle ville de Dubaï. Qu'il me soit permis de présenter nos remerciements et mes encouragements pour l'organisation réussie de cet événement Expo 2020 Dubaï. Une occasion de rassembler le monde et ainsi répondre au thème retenu de cet événement, connecter les esprits, construire le futur. Excellences, Monsieur le Premier ministre et Vice-président de la République des Émirats Arabes Unis, Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'Expo 2020 Dubaï est un événement international dont les objectifs sont l'éducation du public, la promotion du progrès, l'accroissement de la coopération commerciale et le développement durable sur la planète Terre. C'est le plus grand lieu de rencontre des opérateurs économiques du monde, rassemblant les représentants des États, le secteur privé, la société civile et le grand public autour de l'exposition interactive, des spectacles, d'ateliers, de conférences, de l'industrie touristique et bien plus encore. Il s'agit donc d'un événement qui nous intéresse pour plusieurs raisons. Premièrement, par son thème, connecter les esprits, construire le futur, avec trois sous-thèmes, mobilité, durabilité, développement économique et opportunités d'emploi, ce qui cadre bien avec les préoccupations de notre pays, le Burundi. Deuxièmement, l'Expo 2020 Dubaï constitue une occasion de montrer ce que le Burundi a de particulier et qui pourrait intéresser la communauté internationale, notamment les potentialités d'investissement, les potentiels touristiques, les potentiels économiques et les spécificités culturelles. Ainsi, cet événement constitue une plateforme de coopération internationale et de partage des dernières technologies et applications innovantes pour préserver la nature et l'amélioration de nos vies. Sur ce, le Burundi dispose d'un grand potentiel en infrastructure numérique grâce à un réseau national maillé à fibre optique, la plus dense de l'Afrique subsaharienne, qu'il a désenclavé numériquement de la Tanzanie et du Kenya via le câble sous-marin, parcourant toutes les provinces du pays. Au Burundi, la fibre optique est actuellement dans tout le pays, un atout important pour l'économie numérique dans ce monde moderne digital. En plus, le Burundi regorge de nombreuses opportunités d'affaires dans le secteur des TIC, avec une population jeune de plus de 12 millions d'habitants, avec une couverture mobile à plus de 95%, etc., bien que l'accès aux terminaux reste toujours un défi, dégageant un taux de pénétration de l'Internet de 10,3%.
À cet effet, pour réaliser les changements nécessaires d'approche pour avancer avec les nouvelles technologies, dont la cinquième génération, le gouvernement du Burundi a sur son agenda l'amélioration continuelle du climat des affaires dans le secteur des TIC par la mise en place du cadre réglementaire adéquat et les stratégies de facilitation d'accès aux terminaux. En ce qui concerne la richesse du patrimoine culturel du Burundi, le Burundi a son passé et donc son histoire. Grâce à ses valeurs culturelles, de l'héritage ancestral, le pays n'est pas un état isolé, même s'il est géographiquement défavorisé par son éloignement des mers et des océans. En effet, la vie du Burundi en tant qu'État-nation est toujours associée aux assises culturelles qui l'ont bâtie depuis les temps immémoriaux. Celles-ci ne sont que la résultante d'une transmission d'héritage culturel de génération en génération. Elles sont composées d'un patrimoine culturel à la fois matériel et immatériel, témoin de génie créateur et innovateur de la maîtrise du milieu naturel des Burundais et d'un savoir-faire traditionnel face aux vicissitudes quotidiennes. À l'époque ancienne, les Burundais connaissaient déjà l'art et l'artisanat basé essentiellement sur l'industrie du fer, de poterie et de l'artisanat. Par l'héritage de père en fils, ces activités artistiques demeurent encore d'actualité et ils permettent aujourd'hui d'en être fiers dans des expositions d'œuvres d'art organisées au niveau local, régional et international. Une occasion à notre pays de nouer des échanges interculturels avec le reste du monde. S'agissant du patrimoine culturel immatériel, le Burundi regorge d'un ensemble d'éléments du patrimoine vivant éparpillés sur tous les territoires nationaux. À ce titre, le tambour burundais fait partie maintenant du patrimoine immatériel de l'humanité, ce qui enrichit davantage notre culture. Excellences, Monsieur le Premier ministre et Vice-président de la République des Émirats arabes unis, Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'ensemble du patrimoine culturel confère au Burundi son vrai visage dans le collimateur des nations et ses valeurs culturelles positives sont des éléments fondamentaux constitutifs de l'unité et de la souveraineté de la nation burundaise. Elle touche et prône la sagesse, le respect, l'héroïsme, l'unité, la bravoure, la justice, le patriotisme, l'honneur, le courage, l'amour, le partage, la solidarité, etc. Ce sont ces mêmes valeurs intrinsèques du Burundi qui ont engendré un échec à la conquête du pays par l'Allemagne puissante au moment de l'impérialisme européen à la fin du 19e siècle pendant une période de 7 ans. Cette série de valeurs nous conduisent et facilite aujourd'hui d'entretenir des relations amicales efficaces avec le peuple de la communauté est-africaine, de l'Afrique et du monde entier. Parallèlement, la beauté du Burundi est omniprésente dans son relief et son climat doux, ce qui lui accorde le privilège d'être appelé pays aux mille et une collines, la Suisse de l'Afrique, en plus d'être surnommé le cœur de l'Afrique. La civilisation architecturale en voûte de demeure royale offre une attention particulière aux touristes. De surcroît, les forêts naturelles de la Kibira, Kigwena, la réserve naturelle de Rukoko, le parc de la Ruvubu et de la Rusizi incarnent généralement des aspects culturels qui ajoutent l'agréable à l'étude quant à l'offre touristique. Plus important encore est le lac Tanganyika
qui est un réservoir des eaux douces qui possède une faune et une flore riche et variée. Les lacs du Nord, dits lacs aux oiseaux, sont un paradis qui sert de lieu de séjour des oiseaux venant de l'Europe et fuyant le froid de l'hiver. Ayant la source la plus méridionale du fleuve Nil, des chutes de Carrera, des failles des Allemands, il constitue en soi un site devenu un pôle d'attraction touristique. Tous ces atouts constituent, en définitive, un potentiel important du développement socio-économique de la région, étant le trait d'union entre l'Afrique de l'Est et de l'Ouest et entre l'Afrique du Nord et la partie sud-africaine. Excellences, Monsieur le Premier ministre et Vice-président de la République des Émirats arabes unis, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Dans le domaine du commerce et d'investissement, le Burundi réunit toutes les conditions propices aux opérateurs économiques désirant venir investir au Burundi dans les secteurs de la transformation agricole, le secteur minier, le secteur énergétique, la pêche industrielle, le secteur des infrastructures et j'en passe. Cette exposition constitue donc pour nous une opportunité d'apprendre et de comparer aux autres acteurs afin de s'intégrer dans le commerce international en profitant des spécialités burundaises. Par là des atouts qui regorgent le Burundi, en plus de la richesse de ses ressources naturelles, je pourrais également mentionner une jeunesse dynamique qui s'intéresse énormément aux industries culturelles et créatives. L'existence d'un vaste marché commun de la communauté est-africaine, EAC, susceptible de stimuler la créativité et accroître ainsi la production des œuvres artistiques et littéraires en qualité et en quantité d'une part, et la mobilité des créateurs d'autre part. Je mentionnerai aussi la volonté politique favorable à la sauvegarde, à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel et économique. Excellences, Mesdames, Messieurs, après avoir parlé de l'intérêt de la dite exposition universelle, il me plaît, Monsieur le Premier ministre et le Vice-président de la République des Émirats arabes unis, de vous inviter à visiter le pavillon burundais pour découvrir le Burundi en miniature avec toutes ses diversités culturelles et artistiques ainsi que de ses produits de saveur et de qualité. Acclimatez-vous à la culture burundaise et je vous remercie d'avance de votre appréhension des produits spécifiques au Burundi. J'exhorte les membres de ma délégation à accueillir les visiteurs de notre pavillon pour les aider à explorer les opportunités aussi touristiques que commerciales dans le cadre de la coopération bilatérale et de la mise en œuvre du plan national de développement PND 2018-2027. En ce qui nous concerne, le gouvernement du Burundi s'engage à tout mettre en œuvre pour développer, entretenir et fructifier les liens d'amitié et de coopération gagnant-gagnant entre nos pays dans tous les domaines d'activité. En même temps, je voudrais profiter de cette occasion pour inviter les investisseurs des Émirats arabes unis ainsi que d'autres opérateurs économiques à venir au Burundi avec toutes les facilités qui leur sont offertes. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier encore une fois le gouvernement des Émirats arabes unis pour l'organisation réussie de cet événement, que tous qui ont apporté leur contribution à la tenue de cette cérémonie marquant la célébration de la Journée nationale du Burundi à l'Expo 2020 Dubaï trouvent ici notre gratitude. Et c'est sur ces mots que je déclare officiellement ouvertes les activités de la Journée nationale
dédiée au Burundi à l'occasion de l'exposition universelle de l'Expo 2020 Dubaï. Que vive la coopération Émirats Arabes Unis Burundi. Vive la coopération internationale. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Thank you, Mr. President. We are now pleased to share, we are now pleased to share a cultural performance which is one of the major cultural attractions in Burundi. Wooden drums have a deep history in Burundi culture, where their sound, known as ancient and sacred, is a symbol of unity. The ritual dance of the royal drum is an astounding spectacle that combines powerful, synchronized drumming with dancing, heroic poetry, and traditional songs. In 2014, this ritual Burundian drum dance was placed on UNESCO's Intangible Cultural Heritage List, locally known as Abatimbo. And here this afternoon to represent the Republic of Burundi, please welcome the Burundian sacred drummers to the stage of nations. Yeah.
What a beautiful vibe. Thank you to the Burundian Sacred Drummers for that rhythmic presentation. With this, Your Excellencies, esteemed dignitaries and invited guests, we conclude our official National Day ceremony of the Republic of Burundi. Please join me once again in thanking everyone who has joined us here this afternoon, and welcome to Expo 2020 Dubai.